Peter Krim, ministre belge de la Défense en visite sur le site du camp de l'ex-3e bataillon d'Anyama. Objectif, soutenir l'opération de désarmement, de démobilisation et de réintégration de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants ADDR. Nous soutenons toute initiative qui peut vraiment recadrer un système institutionnel et notre présence ici veut témoigner de cette volonté. Pour cette opération, ce sont 106 ex-combattants qui seront désarmés et démobilisés en vue de leur réintégration directe dans le corps des agents de douane. Ils ont obéi aux critères de l'âge, 18 à 35 ans, des diplômes, au moins le BEPC et des aptitudes physiques constatées après une visite médicale effectuée sur différents sites. C'est une réalité, ils ne vont pas les doubler pour dire non, quand ils vont déposer les armes, c'est fini. Donc j'invite tous les autres à déposer les armes. Ils sont venus déposer les armes, voilà. C'est vraiment la joie, quoi. Venez déposer les armes et puis assurer vraiment votre chance aussi. Ce processus de désarmement et de démobilisation mis en place par l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants concerne 2000 ex-combattants qui remplissent les conditions et les critères imposés par la Direction générale des douanes. Il se veut consensuel et transparent. Le processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration est un processus inclusif. Il concerne tout le monde. Tous les groupes cibles, ex-miliciens, ex-groupes d'autodéfense, ex-FAFN, ex-associés sont concernés par le désarmement. Ces 106 ex-combattants seront envoyés sur deux sites de formation, le 1er bataillon du génie civil et le 3e bataillon de Boaké. Ils bénéficieront d'une formation commune de base d'une durée de 30 jours, dispensée par un groupement d'instruction des forces républicaines de Côte d'Ivoire et d'une formation théorique dispensée par des encadreurs de l'école des douanes ivoiriennes pendant 15 jours.